Petite balade ensoleillée, ça fait vraiment du bien. Bonjour les amis. Bon allez, là je vais rentrer. On va aller se faire une petite sauce crevette. Vous verrez, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Allez Roxy, on y va. Alors pour ce soir, sauce crevette. Alors comme vous pouvez voir, c'est des crevettes crues. Alors pour commencer, il va falloir les prendre et on va venir enlever, je crois que ce qu'on appelle la veine au-dessus, à l'intérieur. Alors on ouvre bien sur le dos comme ça. Attention. Je vais garder la coque, hein. Donc voilà, vous le voyez, le trait, il est noir, il est là. On le chope. Ah ben celle-ci a décidé de m'ennuyer. Parce que d'habitude, ça sent les... Voilà. Voilà, je l'ai. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. On tire dessus. Voilà. Et on fait comme ça avec toutes les crevettes. Allez, je vous en montre une deuxième. Alors c'est pareil, on prend là. Tiens, rapproche-toi un petit peu. Je vous montre bien, on voit, on va chercher ça, on le tire, ça s'enlève tout seul. Et voilà, et on fait tout ça avec les crevettes. Allez, à tout à l'heure. Alors après avoir bien nettoyé les crevettes, voici les ingrédients qu'on va avoir besoin pour la sauce de crevettes. Alors, du piment marocain, de l'ail, des petits piments oiseaux, du gingembre, du curcuma, les oignons, la tomate, ça c'est des feuilles de combava, du thym, du gros sel. Alors, on va commencer par piler les piments oiseaux avec l'ail, le gingembre, le gros sel, tout ça dans le pilon. Allez, c'est parti. Alors voilà, je viens de mettre mes piments oiseaux. Je vais y rajouter mon ail, pas tout d'un coup parce que le pilon n'est pas très profond non plus. Je vais mettre quelques morceaux de gingembre. Voilà. Et une poignée, une petite poignée, comme ça, comme vous pouvez voir, de gros sel. Allez. Voilà. Allez, c'est parti pour piler. Alors voilà, j'ai fini de piler donc l'ail, le piment, le gingembre et le sel. Je me suis avancé en éminçant mon oignon. Et maintenant, je vais faire un concassé de tomates. Alors, je vais venir couper en petits morceaux comme des petits dés. Allez, on se revoit tout à l'heure. Allez, un petit... Munissez-vous de couteau qui coupe bien, hein, parce que plus ça coupe, mieux c'est pour la tomate. Voilà. Juste un peu les doigts. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai coupé mes piments marocains dans le sens de la longueur. J'ai laissé quelques grains exprès pour avoir du piquant. Sinon, vous enlevez le grain. Là, c'est des feuilles de combava. Là, j'ai le combava en fruits qui va être râpé par la suite pendant la cuisson. Allez, on va aller voir ça. Je vais aller chercher mes petites crevettes au frais. Voilà, donc je viens de mettre ma casserole à chauffer. Je vais y mettre un petit peu d'huile de tournesol. Une bonne cuillerée à soupe, voilà. Une fois que ça sera chaud, je vais y lancer les oignons, la pâte de piment qu'on a préparée. On va mélanger le tout. Je vous explique maintenant, parce qu'après ça va aller vite. Une fois que ça aura bien blondi, je viens mettre les tomates. Je viens... Alors je râpe, après on râpe le combava sur les tomates, on laisse compoter un petit peu, après on viendra mettre les crevettes, le thym, et en dernier on terminera avec les piments marocains. T'as oublié le verre d'eau? Ah, et le verre d'eau, oui. Ah, mais c'est chaud, je vais mettre déjà la moitié, que je pense que j'en ai fait un petit peu trop. Voilà, je pense que là il y en a assez. Alors on va faire blondir les oignons, et après je viendrai mettre la pâte de piment.
mon oignon est devenu un peu plus translucide. Maintenant, je viens y mettre la pâte de piment. On racle bien le tout et on mélange. Et on rince le pilon justement avec un petit peu d'eau. Attention, on mélange tout avant. On rincera le pilon par la suite. Alors maintenant que ça commence à bien dorer, je vais venir y incorporer mes tomates. Voilà. Oh, je pense que je mets tout. Allez, oui, il y en a assez. Voilà, et on va laisser compoter un petit peu. Après, là, je vais commencer à mettre les feuilles de kombava maintenant. Et je vais venir râper mon kombava par-dessus. Et je vais laisser compoter. Alors, je vais râper. On y va. Allez, c'est parti. Je râpe mon kombava. Ça va vraiment super bien cette râpe. Et après, je mets le curcuma. Voilà. On mélange tout. Voilà, juste derrière. Là, il y a une cuillerée à café de curcuma. Hein. Voilà. Je mélange tout. Je vais mettre ma branche de thym. Et puis, je vais apporter le verre d'eau. Maintenant, je vais venir mettre mon sel. Voilà, deux belles petites pincées. Et on y va pour le thym. Pas tout mettre la branche que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, quelques branches, encore une petite là. Voilà. Allez. Hop. On remet le tout et on laisse compoter. Alors voilà, je pense que là, mes tomates ont bien compoté. Je vais venir y mettre les crevettes crues. Voilà. Alors, on jette toutes les crevettes. Là, il y a un kilo... 1 kg 100, une fois la tête enlevée. On remue bien le tout. Donc on se revoit juste après. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, bien mélanger, prendre son temps. Voilà. Et maintenant, on va y venir y mettre le verre d'eau. Donc, je vous ai montré, j'ai rincé le pilon. Allez, on y va. Faut pas perdre tous les ingrédients. Non, je remue et là je vais en fin de cuisson viendra mettre le piment marocain. Comme je vous ai dit, hein, j'ai rempli le pilon, j'ai rincé. Là, il y a, comme c'est une sauce, donc on voit bien qu'il n'y a pas assez de jus. Donc on vient rajouter l'équivalent d'un bon deuxième verre d'eau. Et maintenant on va venir laisser réduire et on mélange le tout. Et en fin de cuisson, 5 minutes avant la fin de cuisson, 5-10 minutes avant la fin de cuisson, on viendra mettre le piment marocain. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, la cuisson va se faire avec le couvercle. Si vraiment vous voyez qu'il manque un petit peu d'eau, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Allez. Voilà, je vais aller voir où c'en est. Oh ben là, on voit plus rien, hein, avec la buée. Oh ben ça commence à prendre une belle couleur, une belle consistance. À côté, ben, c'est le riz qui est en train de cuire, car ça s'accompagne très bien avec du riz. Alors, j'ai utilisé un riz de Thaïlande, long. Allez, quand ça sera fini de cuire, je vous ferai une photo. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, il reste à peu près 10 minutes de cuisson. Donc, on y va pour les gros piments. Allez, on touille le tout. Et je vous ferai une photo dans l'assiette. Alors pour le riz, j'ai mis une petite pincée de curcuma, c'est juste pour colorer le riz, hein. Mais c'est pas nécessaire. Voilà, terminé.